En fait, le thermostat, il est là. Voilà, tu vois, c'est ce tuyau-là qui est là. Ce tuyau-là qui est là. Je le touche là. Tu vois, ce tuyau-là, il va au fond là. Quand il arrive là, à l'intérieur là, il se relie à une pipe en métal. Et la pipe en métal, il y a le thermostat dedans. C'est pas un calostat, ça s'appelle thermostat. Et le thermostat, il est à l'intérieur de la pipe en métal, pas dans la, à l'intérieur de la, du tuyau caoutchouc. Quand tu enlèves la pipe en métal qui est au cylindre, c'est là le thermostat sort. Il faut démonter la pipe. Et la pipe, je la vois là. Si tu regardes à l'intérieur là, tu vois là, il y a des petites vis là. Tout au fond là, je sais pas, je peux zoomer. Tu regardes là. Là, il y a des petites vis là. À l'intérieur là, tu vois, il y a des vis là. Pas la vis qui est à droite là, hein, celle-là. Là, il y a une pipe là en fait. Là, ça va s'accrocher au tuyau. Le tuyau qui arrive là. Le tuyau qui arrive là. En fait, c'est ça qu'il faut démonter. C'est là qu'il y a le thermostat. Voilà. Et après, il y a une sonde là. La sonde là. Il y a une sonde là-dessous là. En laiton là, le radiateur là. Elle est quelque part là. Je sais pas si tu le vois avec la caméra. Elle est en laiton. Il a dû débourcher le fil. En dessous là. Et la pièce qu'on doit changer, on l'a déjà enlevée. On l'a déjà enlevée. Elle va se mettre avec un fil qui est là. Elle va se mettre avec un fil qui est là. Il est où le fil? Attends, attends, attends. Il y a ce tuyau là. Il y a un fil en fait. Il y a un fil électrique. Il est où le fil électrique? Il y a un fil électrique qui, dès qu'il s'enclenche. Attends, il est où le fil électrique? Attends, 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 il a débranché le. Il y a une file électrique qui se branche, il y a une sonde là. À ce niveau-là, là, il y a une sonde là. Il a enlevé un fil. Je ne le vois pas, regarde. Il manque un fil là. Il est où le fil? Il manque un fil qui rentre dans le tuyau, frère. Attends, 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 attends. Il manque un fil ici là. Qui se met. Attends. Attends, il est où le fil, frère? Déjà, il y a un collier là. Laisse-le là, frère. Il manque un fil. Je le cherche depuis tout à l'heure là. Il manque un fil. Il est où le fil qu'il a enlevé là? Elle est là. Et là, la sonde. Voilà la sonde là. Ça. Ce fil là. Il y a un... Ça. C'est la sonde que j'ai commandée là, maquette. Et lui, tu sais quoi, Thomas, il n'a pas voulu changer la sonde. Il n'a pas voulu changer le calostat. La pipe là. Il n'a pas voulu changer. Il n'a pas voulu changer le dans le radiateur ici là. Dans le radiateur là, il y a un laiton là. Il n'a pas voulu changer ça en fait, Thomas. Thomas, il a fait la pute. Il a fait la pute, mec. Voilà, il a fait la pute. Voilà la pièce qui doit changer, le bâtard. Il n'a pas voulu changer en fait. Il a fait semblant. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Et en attendant, le moteur chauffe. Comme ça, il te pète dans la gueule, tu vois. Attends, je te montre la pièce qu'il n'a pas voulu changer, Thomas.
Il n'a pas voulu changer ça. Il n'a pas voulu changer cette pièce-là, en fait. Ça, c'est le thermostat, tu vois. Tu vois le thermostat. Thomas, il n'a pas voulu changer ça, tu vois. Après, il n'a pas voulu changer celle-là. Il a dit, ça ne va pas, d'après lui, ça ne va pas. Et moi, le vendeur, il me dit, c'est ces pièces-là qu'il faut changer. Celui-là, il n'a pas voulu changer ça, en fait. Ça, ça va en dessous du radiateur, là, où je t'ai montré. Et cette pièce-là, je l'ai commandée tout à l'heure, là. Il m'avait donné la mauvaise. Et c'est commandé celle-là, tu vois. On dit que c'était fait exprès. Il m'a donné la mauvaise pièce. Ça, c'est ça qui fait monter l'aiguille du tableau de bord, m'inquiète. Sale bâtard. Et t'as là, tu sais quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait quoi que la voiture a bougé de place? Qu'on l'a localisée ailleurs? Moi, je vais voir le mécano, il me dit, ouais, on se voit demain, c'est mieux. Il fait quoi que la voiture a changé de place? Il était localisé ailleurs, frère. La tête de ma mère avec son GPS, sa police arabe, il a dit que la voiture était localisée ailleurs de Grigny, mec. Qu'elle a bougé de place. Il me fait ça devant le vendeur, là, à Pessoto. Et mon téléphone sonne de Suisse, et en même temps, il me dit que votre voiture a changé de place, elle n'est plus à Grigny. Et il y a quelqu'un qui m'appelle de la Suisse, pour me distraire, pour ne pas commander la pièce, en fait, qui est cassée. La pièce qu'on a enlevée hier, qui n'est pas cassée, mais qui peut-être qui fonctionne pas. T'as vu? Qui fait monter l'aiguille, en fait. Cette pièce-là, pour m'empêcher de la commander, il fait sonner mon téléphone, quelqu'un de Suisse, et il me dit, ouais, la voiture a bougé de Grigny, elle n'est plus à Grigny. Saloperie, va.